Askeri Wazora. Oh, toujours. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ok. Ceci est un direct de motivation. Donc, si tu as besoin de motivation et de courage pour avancer dans ta vie, il faut t'asseoir et puis tu vas m'écouter. Maintenant, si tu penses que c'est un direct où on vient casser les papos, dénigrer quelqu'un, vilipender quelqu'un, insulter quelqu'un, tu t'es trompé de route. Ce n'est pas ça. Donc, tu peux partir. Va à tes occupations de macrocéphalerie, de sorcellerie, de diablerie. Va à ça. Nous sommes là pour parler de... Tu veux réussir ta vie, non? Tu marches avec qui? Et puis, vous parlez de quoi? C'est ça le vrai point de ce direct d'aujourd'hui. Parce que parmi vous, là, surtout vous les noirs, il faut qu'on vous parle. Parce que chez vous, les noirs, la répétition est pédagogique. Depuis que certaines personnes ont entendu que Bravador se tape des millions par mois, ils sont en transe. Ils sont en transe. Ils font des petits groupes de comités dans le quartier pour faire débat sur Bravador. Oh, il a un million. Oh, il n'a pas un million. Oh, il ment. Oh, il ment pas. Oh, c'est un parfloteur. Oh, c'est pas un parfloteur. Pendant ce temps-là, moi, mon compte bancaire est bien fourni. Tu es au chômage et tu marches avec un chômeur. Comment ta vie va avancer? Tu as su au quartier, c'est toujours toi qui fais débat de Drogba à l'avant qui est tôt. Et toi à l'avant qui est Drogba. Comment ta vie va avancer? Dis-moi. Tu as un smartphone. Tu prends ça pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, tes amis aussi prennent le même smartphone. Ils créent une plateforme. Ils créent une page. Ils font des millions avec. Et toi, ça te fait mal. Tu es jaloux, tu es hypocrite, tu es sorcier, tu es haineux. Pourquoi? Ton ami a réussi là où toi, tu as lamentablement échoué. Au lieu de le prendre comme un exemple, tu le prends comme ton ennemi, comme ton sorcier. Tu veux à tout prix le détruire. Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute si tu es bête. Ce n'est pas de sa faute si tu es un idiot. Ce n'est pas de sa faute si tu es inconscient. Ce n'est pas de sa faute. Je dis toujours, dans la ville, quand quelqu'un est meilleur que toi, va apprendre auprès de lui. Va apprendre auprès de lui. Mais vous les noirs, là, vous avez un problème de difficulté de compréhension. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous êtes au chômage. Et vous voulez avoir une vie de luxe. Tu es au chômage, c'est toi qui es couché dans le salon de ton papa, hein? Avec tes poils dans la narine, poils sur pubis, poils en bas de tes testicules là. Oh Seigneur, je t'ai pris afin que je puisse avoir un travail. Tu n'as pas réalisé CV. Tu ne te promènes pas pour chercher un travail. Tu es couché dans le salon de ton papa avec ta gaïa tête, ta gueule là. Et tu pries le Seigneur. Donc Dieu va quitter au ciel pour venir écrire ton CV. Dieu va quitter au ciel pour aller te promener dans le bureau des gens pour dire, bon mon enfant là, il faut l'embaucher.
Tu es couché dans le salon de ton papa, tu manges sa nourriture, tu chies dans son WC, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant, tu passes ta vie à te promener avec des vagabonds, des vanoupiers, des gens qui passent leur temps à aller boire bien matin, midi, soir. C'est quel genre d'amitié ça là? Amitié où on s'appelle, allons boire une bière. C'est quelle amitié ça? Il n'y a pas amitié. Allô, frère, ça, j'ai vu un truc d'embauche d'emploi là. Comme je suis donné, là, viens poster. Il n'y a pas amitié comme ça? Amitié, toujours on t'appelle, c'est pour aller boire bière. Et puis tu es content. Et quand demain que tu apprends que d'autres personnes se tapent des millions sur les réseaux sociaux, tu es fâché, tu es offusqué, tu es scandalisé. Oh, lui là, c'est un menteur. Pendant que toi, tu prends ton temps pour aller boire bière, pour critiquer des gens qui ont gagné leur vie grâce à Facebook. Vous êtes quelque chose, hein, vous les noirs là. Vous êtes quelque chose, hein. Vous voulez avoir une vie de mola. Quand il va en France, il fait ses stories, champagne, l'argent, boya, cigare, voiture de luxe, maison de luxe. Déjà d'une grosse entreprise, tu vas avoir la vie de mola. Ah, tu penses que mola s'est levé un matin. Comme c'est mola, il est trop beau. Il a une société. Il a des millions aujourd'hui. Il voyage comme il veut. Il boit comme il veut. Il s'amuse comme il veut. Ah, tu penses que Mola s'est levé un matin comme ça pour devenir le Mola? Il a travaillé. Il n'a pas croisé ses jambes. Mola, c'était un boucantier avant, non? Il a changé de vie. C'est un homme d'affaires. Tu veux rouler en première classe? Tu penses que c'est en ta sienne, dans ton quartier pourri de merde là, que tu vas avoir une vie de luxe? Allez travailler, bordel de merde de mes couilles. Allez travailler. Levez-vous, allez travailler. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a des gens qui vivent que des réseaux sociaux. Ils ont démissionné de leur travail. Ils ont complètement démissionné de leur travail. Ils vivent que des réseaux sociaux. Moi, je vis que des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux m'ont permis aujourd'hui d'avoir des biens dans ce pays-là. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux. J'ai pris l'argent des réseaux sociaux là, pour aller faire business. J'ai pris cette façon pour aller faire business. Je me suis assis. Pour réfléchir. Parce que je me suis dit, si Mark Zuckerberg, il a créé un réseau social qui est gratuit, il pèse des tonnes de milliards, ce que je peux suivre, c'est pas avoir quelques millions. Alors, ceci étant dit, je me suis assis sur Facebook. J'ai commencé à travailler. C'est quelle moquerie je ne connais pas sur Facebook? C'est quelle insulte je ne connais pas sur Facebook? C'est quelle sorcellerie je ne connais pas? Mais je m'en fous. Parce que les mêmes personnes qui me dénigrent aujourd'hui, là, les mêmes personnes là, sont assises dans mes inbox en train de me demander, frère, ça, c'est vrai, il t'a parlé mal, hein, mais on fait comment? Tu vois ta vie? Est-ce que tu es obligé de venir m'insulter avant de venir me demander comment j'ai fait? Tu vois ta vie? Tu les vois? Si je vous montre ma messagerie, là, vous allez rigoler. Ils partent s'asseoir entre eux. Pour me dénigrer. Oh, il ne gagne pas l'argent sur Facebook. L'homme là, Facebook ne le paye jamais. Jamais. Mais ils viennent s'asseoir dans mes inbox pour me demander, mais bravo, vrai, c'est vrai, t'as parlé mal, mais tu peux nous montrer un peu. Mais est-ce que tu es obligé de venir me vexer ou bien de me parler mal d'abord avant que je te montre? Mais là, tu finis de m'insulter et tu veux que je te montre? Je ne te montre pas. Si tu es fâché, je m'en fous. Moi, vous avez dit, je ne suis pas Jésus, c'est Jésus qui pardonne. Moi, je ne pardonne pas. Parce que tu t'es rien fait et tu es venu m'insulter. Donc je ne te pardonne pas. C'est Jésus qui va pardonner. Moi, je ne pardonne pas. C'est grâce à Facebook que je cause un Mola. Et ce Mola, c'est mon camarade. Mola, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Mais grâce à Facebook, aujourd'hui, je côtoie Mola. Je mange avec Mola. Je bois avec Mola. C'est grâce à Facebook, c'est grâce à mon travail. Mola, c'est un grand frère, c'est un divorcé. Mola a plus d'argent que moi. Il a plus d'argent que moi. Il a plus de contrats que moi. Il a plus d'avantages que moi. Mais aujourd'hui, là, grâce à Facebook, on est dans le même domaine de showbiz. Lui et moi, on est camarades. Hormis le côté travail, on est camarades. Je bois avec lui, je mange avec lui, je sors avec lui, on fait les shows ensemble. Mais c'est à cause de mon travail. C'est à cause de mon travail parce qu'il sait que c'est un petit bosseur qui est là. On bosse ensemble, on finit, on va s'amuser ensemble. La vie continue. On marche avec des gens qui sont supérieurs à nous afin de les ressembler. On ne marche pas derrière des vanoupiers qui n'ont rien. Tu es assis dans ton quartier, tu es au chômage.
Tu es au chômage. Tous tes amis sont au chômage. Parmi vous, il n'y a même pas un qui travaille. Vous êtes assis au quartier, toujours en train de parler de Messi Ronaldo, Messi Ronaldo. Mais quand eux vont courir sur le terrain, ils sont payés par minute, par seconde, par tir cadré, par but marqué. Ils sont payés pour ça, c'est leur travail. Quand tu dis que Messi a l'argent que Ronaldo, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Bon, toi-même, tu as quoi? Les grands commentateurs qui s'asseyent dans les quartiers pourris, qui font rien de leur vie, de 6h à 6h, là, ils font rien à part boire bien, avoir des gros débats, Messi à l'argent qui est tôt, et toi à l'argent qui est Drogba. Ils font rien. Bon, toi-même, tu as quoi? Parce que tu parles des gens qui ont l'argent. Tu parles des gens qui ont réussi leur vie. Tu parles des gens qui roulent dans des voitures de centaines de millions de francs CFA. Des gens qui ont payé avion. Des gens, eux, ont, eux leur vie là, c'est réussi. C'est à venir de leurs enfants. Eux-mêmes pour eux, arrière-enfant, arrière-arrière, dans arrière-arrière là. C'est que l'argent est là. Ça finit pas. Toi, tu viens t'asseoir pour dire que Drogba a l'argent qui est tôt là-haut. Toi-même, tu as quoi? Dis-moi. Toi-même là, tu as quoi? Tu as quoi? Tu viens t'asseoir pour dire oui, Drogba, il est fort. Oui, Drogba est fort. Il a joué ballon. Il a joué son ballon. Toi, tu dis que tu n'aimes pas Eto'o, non? Mais Eto'o, ils s'en foutent de toi. Est-ce que Eto'o, il te connaît? Si tu chies, tu manges, tu dors. Eto'o, ils s'en foutent. Mais toi, tu veux t'asseoir pour dire que toi, tu préfères Drogba et Eto'o parce que Drogba, il a l'argent qui est Eto'o. Oui, mais ce que tu oublies, le facteur que tu oublies, c'est que les deux, là, ils sont milliardaires. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Quand on n'a rien, qu'on n'a rien, on fait quoi? On se met au travail. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les plus petits pecno, lambda, facochet, mouton, macrocéphale, tilapia, vonvon, abeille, pigeon, amphibien, batracien, nyamorodin, se lèvent pour venir insulter des gens qui ont pris les réseaux sociaux pour en faire un travail. À travers ce travail, ils gagnent des millions. Ils voyagent à l'étranger. Ils sont invités à la télé, à la radio. Ils font des one-man shows. Ils ont des contrats publicitaires avec des marques de vêtements, téléphones, chaussures, parfumerie. Et toi, tu vas venir t'asseoir. Tu vas venir t'asseoir tranquillement comme ça pour venir inventer des choses. Oh, l'aimant. Il dit pas la vérité. Tu le connais? C'est ton camarade? Tu bois bien avec lui? Tu le connais où? Si c'est pas Facebook, tu le connais où? Tu bois bien avec lui? Tu connais son père? Tu connais sa mère? Tu connais sa famille? Tu connais ses amis? Tu connais son banquier? Tu connais sa banque? Tu connais rien de tout ça? Tu connais rien de tout ça? Mais toi, tu es pauvre. Tu es dans ton coin là-bas, là. Dans ton quartier pourri. Ta maison pourrie, ta vie de merde, là. Tu es dedans là-bas, tu es aigri, tu es sorcier, tu es haineux. Ça te fait mal de voir qu'aujourd'hui, une simple personne comme toi a réussi à s'imposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il est célèbre dans sa célébrité. Là. Il voyage, il a des millions. Et toi, tellement tu es aigri, tu as raté ta vie, ça te fait mal. Tu crées un autre groupe de sorciers. Des personnes aussi qui ont raté leur vie et vous, comme des moutons, vous vous suivez comme des chenapans, des amphibiens, des batraciens, des moutons, des chèvres, des ânes, des cabris. Vous vous suivez en file indienne pour venir vous asseoir, pour insulter les mollas. Oh, mola, oui, il fait ci, il fait ça. Les Emal West, Makoso. Makoso, vous insultez matin, midi, un soir. Oh, c'est un voleur. Oh, c'est un bon pasteur. Oh, il est comme ci. Oui, il est comme ça. Mais il a l'air. Il a l'air que ton père, ta mère, que toi-même, que toute ta famille réunit. Il a l'argent que vous tous. Vous venez insulter les gens qui ont l'argent, qui ont réussi dans le domaine dans lequel ils ont prié pour réussir. Toi, tu viens insulter ça. Pourtant, toi-même, ta vie là, c'est dans le noir. Ta vie est dans les ténèbres. Satan jouait ton avenir comme ça.
Et il y a des gens, ils sont conscients qu'eux-mêmes, ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces démons-là, ils entraînent d'autres personnes là-dedans afin qu'eux aussi, ils puissent rater leur vie. Ils ne veulent pas mourir seuls. Et nous, la génération consciente, on vient s'asseoir pour vous dire, on est jeunes comme vous. On vient s'asseoir pour vous dire, arrêtez de suivre des gens qui sont au chômage. Tu marches avec quelqu'un qui est au chômage, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de charge, qui n'a pas de vie, qui ne fait rien. Sa vie là, c'est boire bien, chercher les petites filles sales, sales du quartier là. C'est tout. Il va t'apporter quoi dans ta vie? Quel conseil il va t'apporter dans ta vie? Quel conseil? Tu n'as même pas un ami dans ton groupe d'amis là qui travaille dans une société qui va entendre qu'il y a un poste qui se libère. Il va t'appeler à faire ça. Envoie-moi rapidement ton CV parce que dans mon job là, il y a un poste qui se libère, il est placé. Tu n'as pas ami comme ça, hein? Mais tous tes amis là, c'est bien. Tous tes amis, c'est que quand on t'appelle, quoi? Allô, pote, ça va? Ils sont au couloir, hein? Viens boire des bières. Pour parler de quoi? Football, OMPSG, Messi, Ronaldo, Drogba, Eto. Ensuite, c'est quoi? Ah, la petite fille, elle a un gros cul. Au moins, il a tué ça. Il a déjà main ça. Ça, c'est une périgo dans le quartier. Il a déjà tué, c'est déjà main ça. C'est fini. Ça s'arrête là. Et il y a toujours le jeune du quartier qui a payé sa voiture, qui a payé sa maison, qui quitte le travail, il vient. Vous, les chômeurs, vous les critiquez comme lui là. Oh, c'est un pédé, c'est un vendu. Il pense qu'il a quoi? Il n'a rien. Quelqu'un qui quitte dans son travail, il a payé sa maison, il a payé sa voiture, il vit bien. Toi, tu es assis, hypocrite, sorcier, tu as raté ta vie. Ça te fait mal. Au lieu d'aller le voir pour dire, grand frère, comme tu travailles là, tu peux pas me donner quelques conseils. Même s'il n'y a pas un truc de travail, on va faire parce que nous aussi, on veut travailler. Tu ne fais pas ça, hein? Tu vas t'asseoir pour l'insulter. Pop! Et puis ta vie est gagnée. Et puis ta vie est gagnée. C'est fini. Ta vie est gagnée comme ça. C'est que tu te lèves matin. Toi, ta vie là. Ta vie qu'elle est là. C'est que tu te lèves matin. Tes crocs là, tu ne brosses pas ça. Hein? Tes sales crocs là, tu ne brosses pas ça. Ta vie, c'est quoi? Tu prends ton téléphone matin pour venir insulter les gens sur Facebook. Du lundi au lundi. Insulter les gens sur Facebook. Et puis tu vas dormir. C'est ça ta vie? C'est ta vie qui est là. Venir t'asseoir pour dire, lui là c'est un menteur, toi là ton maudia, pour dénigrer les gens matin, midi et soir. C'est ça ta vie. Et puis demain tu recommences encore. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Moi, bravo, tu m'as insulté, m'ont soulevé, m'envoie à Dubaï. Tout frais payé. Cadeau, hein, caché encore pour mettre dessus. Moi, bravo, que tu as insulté là. Ils m'ont payé mon billet d'avion, hôtel, tout, hein, frais, ils m'envoient à Dubaï. Pas. Que tu vois là. Bon, les insultes que tu me donnes là, ça te nourrit? Ça nourrit ta famille? Ton pauvre papa qui lutte pour nourrir ta gueule là. Quand tu viens m'insulter là, est-ce que son compte bancaire se remplit? On lui fait déborder money? Ta pauvre mère qui est en train de lutter, hein, pour te nourrir, toi, ton un gros gaillard vanoupier comme toi là. Ça paye, ça dérive pour déposer dans la maison? Tu es vieux, tu es grand et tu es bête. Tu as 45 ans, tu es encore chez tes parents. Tu n'as pas de travail. Ta vie là, c'est venir t'asseoir sur Facebook pour dire, ouais, bravador, c'est un menteur. Lui, tous, quel million. Quel million. C'est parce que tu as mal, mon frère. Tu as mal. Tu as mal. Que moi, ton petit frère, j'ai pris Facebook. Il a développé une marmaille, mon argent est sorti. Et puis ça tombe tous les mois. Ça ne chauffe pas. Tu veux, il faut croire. Tu veux, il faut laisser. Mais moi, je connais mon compte en banque. Je connais combien je gagne par mois avec seulement Facebook. Et avec mes activités de dehors. Mon cœur bat pas. Je loue maison. Je paye 210 000 francs par mois, bien compté. Avec les charges, je suis dans 450 000. Je paye ça de l'eau. Mon cœur bat pas. Ça ne chauffe même pas à tes bancs. Ça ne chauffe même pas. Si elle boit champagne en boîte, il m'en va, je prends ma. Tu veux même, il prend même pas l'argent liquide, je prends juste ma carte bancaire, je sors. Là, liquide, mais je ne sors pas avec. Je prends juste ma carte bancaire, je sors. Je finis de boire, TPE, je mets ma carte code, je suis parti. Si même, je laisse même ma carte bancaire à la maison, je prends juste mon téléphone. Orange Money, c'est B. Je finis de boire, je finis de manger. Tant que dans le Orange Money, là, papa, il est payé, il rentre, il prend ma voiture, il rentre chez moi à la maison. C'est fini.
et puis ça ne chauffe pas. Maintenant, toi, tu vas me voir dans une boîte à un mot là, en train de guincher, en train de danser, en train de boire. On fait la belle vie. Tu as assis derrière ton clavier là. Ça va te faire mal. Tu vas te dire, mais pourquoi c'est lui? Parce que j'ai simplement travaillé pour arriver là. Donc toi, tellement tu es haineux, tellement tu es sorcier, tellement tu es aigri de me voir en train de m'amuser comme ça avec des gens que toi tu rêves de voir. Et que moi, je les vois matin, midi, soir, je bois bien avec eux. Je mange avec eux. On se saoule et puis on danse comme des sauvages. Tu as pensé qu'on n'est pas intelligent, mais on est intelligent. Avant d'aller se saouler la gueule comme des ivrognes, danser comme des fêtards, comme si on n'est pas conscient. Nos comptes bancaires sont B. Quand on sort, on ne fait pas taxi. Il y a 2000, hein, il va au plateau. On ne fait pas ça. Hein. Quand on finit de faire soirée, là, on ne décide pas pour dire, bon, tu as combien sur toi là? Moi et mes frères, bon, on colle le couloir pour taxi. On ne prend pas taxi. On ne prend pas taxi. Quand on sort là, c'est pied, pied. Les gars, on se suit. Hein. Il n'y a pas fait de bon. On va où? On fait 3-4 boîtes. Quand on sort là, c'est pied, pied. On s'est su, on est parti. Quand un est saoulé, trajectoire à gauche, il va à la maison sans dormir. Mais quand toi tu sors de boîte de nuit là, c'est comment? Taxi, ouais, il va aller pour 2500. Le chauffeur, il sait que tu allais boire, c'est que tu es un peu selon lui, 3000. Tu as négocié fort. Tu as négocié fort. Nous, on ne négocie pas taxi. Quand on sort de boîte là, c'est clair de voiture qui est dans pâte là. On fait pip pip et puis on s'en va. Quand on va en boîte là, on a un salon dans les VIP. On pète les champagnes. On finit de se saouler, on rentre chez nous. Parce que le week-end, la semaine, on a trop travaillé, il faut relaxer. Mola, il n'est pas à Paris. Hier, il a décollé, il est à Paris. Mola, il est à Paris. Il va mettre un poste à la tour Eiffel ou bien un coin chic. Tu vas partir l'insulter. Pourtant, toi-même, tu cherches à rencontrer Mola. Maintenant, tu es animé par un esprit de sorcellerie, un esprit de haine, un esprit de démoniaque, un esprit de jalousie. Là. Tu n'es même pas capable de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas pris le vieux père comme exemple? C'est qu'il a tout fait pour le rencontrer afin qu'il puisse voilà, m'expliquer dans quelles conditions sine qua non il a pu se construire un empire pareil. Non! Tu vas prendre ton doigt possédé avec ton téléphone chinois là pour venir insulter le pauvre monsieur qui ne te connaît pas et qui ne te calcule même pas. Il ne te calcule même pas. Tu manges, tu chies, tu dors, tu mougous, ce n'est pas son problème. Tu n'es rien dans sa vie, tu es zéro. Tu es absolument zéro. Absolument zéro. Zéro. Tu dis que tu as fait un Apoutou, non? Apoutou, tu dis que tu es fan de lui. Regarde un peu et écoute. Ouvre gaillardement tes oreilles et t'expliquer l'histoire d'Apoutou. Écoute bien. Parce qu'apparemment, tu n'as pas encore compris le business des réseaux sociaux. Tu n'as pas compris encore. Faut t'asseoir. Mets le volume. Augmente le volume. Et puis écoute bien, etc. C'est qu'il y a prendre trois points, trois clés de la montée fulgurante d'Apoutou. Sans parler de ses clashs, hein, de ses dérives-là. Non, il va te montrer trois petits secrets simples que Apoutou, quand on lui a dit, on lui a montré, et puis il a appliqué. Et puis il a aujourd'hui Apoutou là. Malgré son côté ton là, il fait de l'argent. Apoutou a commencé les vidéos. Non? Il a vu qu'il était suivi. Il a vu qu'il était suivi. Il a fait de nombreux clashs, mais il a compris que les clashs ne vont pas trop l'arranger. Il s'est rangé un peu. C'est des conseils que des gens lui ont donnés. Aujourd'hui, Apoutou qui a commencé les vidéos bêtes, ton hier, avant-hier, le même Apoutou que tu passes ton temps à insulter. Le même Apoutou. Le même. Il a signé un contrat avec qui? Cotis, Énergie, France, Europe. Grâce à quoi il a signé le contrat là? Grâce à quoi? Grâce à quoi? Dites-moi. À sa gueule. Sa bouche là. Sa bouche 1. Deuxièmement, sa page Facebook. Troisièmement, son audition. Parce que l'homme ment. Mais les chiffres ne mentent pas. L'homme peut mentir. Mais les chiffres visuels ne mentent pas. Ils ont vu que le petit, il a une très grosse visibilité. Très grosse visibilité. Codis Energy est venu s'asseoir avec Apoutou pour le faire signer. À chaque fois que Apoutou fait un direct, il y a Codis devant lui.
Bon, vous pensez que Codis qui est devant lui là, c'est cadeau? C'est cadeau? C'est gratuit? Jean Poutou là, lui n'a pas l'argent pour payer Codis quoi. Jean, il est trop pauvre pour aller payer Codis énergie pour boire. Il est trop pauvre. Il est trop pauvre. On l'a payé pour ça. Et je peux vous dire, le montant dépasse même, si je ne dis pas de conneries, hein, au moins 5000 euros. Au moins. Sans compter que quand il fait un direct là, c'est dedans. Ce qui veut dire que dans le contrat là, il doit payer. C'est que, bah, y a une prime. C'est que vous savez pas dans le contrat là. Il y a des primes quand tu viens signer comme ça là. On est comme des footballeurs. Je vous dis, moi je veux votre bien. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Quand on signe un contrat, nous sommes comme des footballeurs. Il y a prime de signature. Quand on t'appelle pour te dire Bravador, Apuchou, Makoso, Emmanuel West ou bien Mola, quand on t'appelle pour te dire on te veut dans tel événement, tel pays, tu es comme un footballeur. Tu as prime de signature. Quand tu signes comme ça, là, on te paye pour ça. Tu es un cachet pour le contrat en plus. Si le contrat c'est à long terme, parce qu'il y a un mois, il y a deux mois, il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans. Si tu signes un contrat de un an, champion, l'argent que tu vas ramasser là, Dieu seul sait. Quand tu vas signer, il y a prime de signature. C'est que à chaque fois que tu vas t'asseoir pour mettre la canette devant toi, tu es payé pour ça. Tu es payé. Tu es payé pour ça. Tu vois Poutou qui fait vidéo toujours Trace Energy. Oui, Codis Energy, Codis Energy. Ah bon? Tu penses que Codis c'est gratuit? Tu penses que c'est gratuit? Tu penses que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit, hein? On l'a payé pour ça. Donc il a compris que, à partir de sa page Facebook et de sa visibilité qui est grandissime, il peut se taper de l'argent avec des publicités en faisant des placements de produits. Après Codis, vous ne voyez pas les produits de beauté qui sont devant lui là? Vous pensez qu'à Poutou, Jean, il n'a pas pommade chez lui quoi? Ou bien il n'a pas l'argent pour payer pommade, pour aller se pommader? Non! C'est les petites filles qui ont entreprise là, des pommades là. Voilà Poutou, tiens 500 euros, mets ça devant toi, tiens 800 euros. Donc imagine le nombre de produits qui sont devant lui. Faut le nombre de filles qui ont donné. C'est pas l'argent qui est là. C'est pas l'argent. En plus qu'il est monétisé, ce qui veut dire que quand il ouvre sa bouche pour parler sur Facebook, à la fin du mois, il doit son dire. Et puis comment des vidéos, il a créé les Oscars des blogueurs. L'argent, il a pris pour aller faire. Il a pris ça où? C'est l'un de Facebook. Donc vous pensez qu'à Poutou, il est parti faire les Oscars des blogueurs pour rester pauvre? Il a eu l'argent dedans. Donc tout ça là, c'est grâce à quoi? Au même Facebook que toi, tu prends pour venir insulter les gens là. C'est ça le petit gros que tu dis là. Il a pris pour obtenir ça. Facebook que tu prends pour insulter là. Pour les vilipender, les dénigrer là. C'est ça. Il a pris pour obtenir tout ça. Et l'apothéose, il chante. Est-ce que vous voyez le parcours? C'est qu'il fait ça de manière générale. C'est qu'elle fait ça en gros. Parce que s'il veut détailler, on va pas quitter ici. Il y a trop de choses à dire. Tout ce parcours-là, c'est grâce à quoi? Facebook, où toi, tu viens t'asseoir pour insulter les gens-là. C'est le même réseau social qu'il a pris pour obtenir ça. Alors, c'est Lolo Beauté. Lolo Beauté, la reine mère de la Tchatcho Gang. Lolo Beauté, d'abord sur Facebook. Et en plus, elle vend ses produits où? Sur Facebook. Dans quoi? C'est direct sur sa page. Elle mange l'argent de Facebook là. Elle mange ça bien. Bien même. Et bien le dit. Elle fait vidéo, c'est payé. Elle vend ses produits cosmétiques. Elle fait les placements des produits. Les gens payent. Et puis ça marche. Ça marche bien même. Ça marche bien. Et toi, la fille qui me regarde, tu en vis la vie luxueuse de Emma Louis. Tu en vis sa vie luxueuse.
Les contraires, Fendi, elle va à Paris, elle a son spa, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup d'entreprises, elle vit sa vie de luxe. Tu envies ça? Tu veux vivre comme Emma Lolo, Emma Loès? Mais tu penses qu'Emma Loès là-haut? Elle s'est levée comme ça pour voir tout ce qu'elle a là? Tu penses qu'Emma Loès là? Elle est venue s'asseoir comme toi. Sur Facebook, qui a un smartphone, et puis elle se lève un matin, elle insulte les gens. Elle dénigre les gens. C'est ça? Ah, Julia, je l'aime pas, son mot de Dieu. Celle-là, ce n'est pas photo, son mot de Dieu aussi. Tu penses que c'est comme ça que Emma a obtenu sa richesse, sa célébrité, sa gloire, son argent? C'est que vous êtes une ribambelle, un troupeau, un groupuscule, un groupe conclave de moutons et cervelés. On veut apporter la lumière dans vos vies noires, sales, ténébreux. Et vous dites aux gens que oui, non, je ne crois pas et c'est faux. Si c'était un blanc qui venait s'asseoir pour vous expliquer la marmaille des réseaux sociaux, vous allez applaudir. Mais quand c'est ton propre frère noir qui veut tracer un chemin afin que tout le monde puisse manger dedans, là, ah non, 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 ils ne sont pas d'accord. C'est vous avec vos preuves à la con là. Oui, c'est un villageois qui tue un éléphant et puis tout le village mange. Mais quand ton frère va tuer l'éléphant là, et puis il te dit, viens te monter, comment on tue l'éléphant pour se nourrir là? Pourquoi tu dis que c'est un menteur? Pourquoi? Pourquoi? Une ribambelle de chômeurs et de chômeurs endurcis, la galère veut vous tuer. Vous passez votre temps à prendre les réseaux sociaux pour insulter les gens qui vivent mieux que vous. Pourtant, tu as faim. Le diable jouait ton avenir comme ça. Tu as 30 ans, tu es encore chez tes parents, tu es au chômage. Tu n'as pas CV, tu ne sais même pas comment même on réduise même un CV. Tu ne sais même pas ce que c'est que un CV. Tu es chez tes parents, tu es vieux, tu es vieille, tu mourras déjà, tu es au chômage. Tes petits, tu prends Facebook pour vendre mèches, elles vendent perruques, elles vendent string, elles vendent caleçons, elles vendent pantalons, elles vendent t-shirts, d'autres font même livraison en ligne, à Loco, Gaba, Burger. Tu te moques d'elles, mais elles au moins là, elles gagnent leur argent dedans. D'autres font livraison de pizza, des gays, lait. Même biberon, même, on va sur Facebook. Elles prennent ça pour chercher l'argent. Toi, tu prends ça pour dire que c'est la même, elles font pas même. C'est quel bon commerce elles font. Toi, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? À part t'asseoir sur Facebook, les dénigrer là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que, quand tu te lèves matin là, tu vas où? Tu fais quoi? Tu gagnes combien par jour? Faut me dire. C'est qui ça là? Quand tu te lèves matin là, quand on a dit de 6h jusqu'à minuit, la journée est terminée, tu as gagné combien d'argent? Dis-moi, ma soeur, mon frère, la vérité que vous n'aimez pas là, moi j'ai dit ça cash. Moi je suis bizarre, hein? Je suis très bizarre. Voici pourquoi on n'est même pas où, parce que ma bouche ça dit trop de vérité. Quand tu te lèves matin de 6h jusqu'à on dit minuit, la journée est terminée, 24h là, tu as eu combien d'argent dans ta journée? C'est la question que tu dois te poser en premier lieu. En premier lieu, quand tu te lèves le matin, tu mets tes deux pieds sur le sol. Deuxièmement, c'est bon, tu mets tes deux pattes sur le sol. Quand tu te lèves matin comme ça là, tu vas où? Tu as quel rendez-vous? Tu as fait quoi? Là, je me suis terminé là. Tu as eu combien d'argent qui est rentré dans ta poche comme ça, physiquement? Combien? Combien? Faut me dire, combien? À part insulter les gens sur Facebook là, tu as eu combien d'argent que tu as posé dans ta poche? Tu es rentré, tu as dit, merci Seigneur pour cette belle journée. Même si c'est 10 francs, demain j'aurai 20 francs. Alhamdulillah, bismillah, amen, je vais dormir. Tu as combien? Dis-moi. Tu as 0 francs. Tu n'as que des insultes à ton actif. Tu n'as que des moqueries à ton actif. Tu n'as que la haine dans ton cœur. Et on te dit, il faut changer de vie.
Parce que Dieu ne peut pas quitter au ciel pour venir te donner l'argent. Dieu, ce n'est pas ton papa. Dieu, ce n'est pas ta maman. Dieu, ce n'est pas ton père de famille. Dieu, ce n'est pas ton oncle. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Dieu va pas. Dieu ne va pas faire ça pour toi. Dieu aurait des financiers bibliques. C'est coranique aussi. Les fainéants de ton genre là, Dieu ne vous aime pas. Dieu bénit pas les paresseux, les lépreux comme vous là. Voici des gens qui ont tous leurs membres au complet. Tous leurs membres au complet. Mais c'est des promadors. Des adeptes qui promenaient, mangeaient, dormir. Venez s'asseoir, dénigrer les gens qui vivent mieux qu'eux quoi. Même abonnement de Canal, tu ne peux pas payer. Tu n'as pas honte. Abonnement de Canal Plus, tu ne peux pas payer. Sac de riz pour déposer dans la maison, tu ne peux pas payer. Pourtant, tu es chez ton père, tu es chez ta mère. Quand on dit facture arrivée comme ça, là, toi, tu es couché, tu dors. Toi-même, on ne te calcule pas. Par exemple, c'est que toi, tu es bête. Même passe internet pour te connecter, tu ne peux pas payer. Tu n'as pas honte. Passe internet, tu ne peux pas payer. Tu es chez tes parents. Facture d'eau, c'est combien? Facture d'eau, c'est combien? Tu ne peux même pas payer. Abonnement Canal Plus 5 000 par mois, tu ne peux pas payer pour tes parents. Même sac de riz, tu ne peux pas payer. Fête des fins n'arrive. Même un poulet, tu ne peux pas payer pour donner à tes parents. C'est tes parents qui vont partir payer poulet, puis toi, tu vas manger. Et puis, tu es fier de ça. Tu vas venir t'asseoir sur Facebook pour insulter Bravado. Pour insulter Emma Louès, pour insulter Mola, pour insulter Makoso. Nous là, l'âme des fêtes là, c'est bien là. Ça ne chauffe pas. C'est bien là. Et on vient ça pour vous dire. Mais c'est quoi ces idioties de venir vous asseoir hein, et apprendre les réseaux sociaux pour dénigrer les gens? Pourquoi on fait ça? Mais en lieu en place de dénigrer les gens, voici ce que vous pouvez faire avec le même réseau social que vos amis font pour obtenir de l'argent. Je vous dis, il y a des gens qui ont démissionné de leur travail pour s'asseoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est devenu leur travail. Ils se tapent des millions et des millions avec ça. En Europe, c'est pareil. On a copié en Europe pour venir s'asseoir en Afrique ici pour avoir l'argent ici aussi. Et toi, tu es là. Tu ne bosses pas. Tu fais rien de tes 10 doigts. La galette te persécute. Tu es au chômage. Ta vie même, c'est grision, c'est mélangé. Le diable jouait ta vie comme ça. Tu as raté ta vie. On vient te dire, frère, ça, il n'est jamais trop tard pour reprendre. Tu dis, oh non. Un jour, ça va aller. Hein? Un jour, ça va aller. Il faut rester dedans. Reste dedans. Il y a des filles qui ont commencé vidéo. Elles sont à la télé. Vidéo, hein? Elles sont chroniqueuses à la télé. Des filles que toi, tu suis sur les réseaux sociaux, que tu dénigres, que tu insultes là, elles sont chroniqueuses à la télé. Toi, tu es chroniqueuse d'insultes sur Facebook. Tu n'as pas salaire. Des gens même que tu insultes là, eux, par jour, ils gagnent l'argent. À la fin du mois, ils gagnent l'argent. Toi, tu gagnes quoi? C'est que faut t'asseoir. Si tu veux pour m'insulter, c'est pas grave. Il faut t'asseoir comme ça. Et puis pose-toi la question de savoir quand la journée se termine là-haut. J'ai eu combien d'argent qui est fourré dans ma poche? C'est la question que tu dois te poser. Cette question-là, tu dois t'asseoir et puis te poser cette question-là. Parce que quand vous parlez de vraies choses qui peuvent changer vos vies, là, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Mais quand quelqu'un a fait direct pour dire que Bravado, il est cassé par poche sur lui, vous serez au moins 15 000 là-bas à écouter des bêtises, des âneries. Vous allez partir vous abrutir là-bas.
Mais lorsqu'on viendra vous dire, ah, je connais un système, une route qui peut t'amener toi à avoir de l'argent, à être indépendant et indépendante, et puis vivre de ça convenablement, tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Tu as dit, ah, oh, pardon, ça là c'est faux. Pas flottage, ça c'est mensonge, ça n'existe pas. C'est des conneries. Tu vois comment tu es bête. Tu vois ta mentalité. Tu vois ta mentalité. Tu vois comment tu es bête. Tu vois comment tu es un mouton. Si aujourd'hui là, Yaka Yaka, il a fait vidéo hier pour dire aujourd'hui là, il va limer dans mes comptes. Ça là, tu as peut-être 10 000 personnes connectées là-bas. Allez écouter Yaka Yaka qui est en train de limer dans mes comptes. Et tous les sorciers et les haineux qui ne m'aiment pas, ils iront là-bas. Aujourd'hui, j'ai venu m'asseoir pour dire, bon les gars, Oran, c'est quoi même? Regarde pas mon live. Hein. Je viens m'asseoir pour vous apporter des conseils, pour vous dire où je suis arrêté là. Je suis arrêté sur une mine d'or. C'est une vraie mine d'or. Voici le secret, voici la route que tu peux emprunter pour manger un peu. Quand tu vas manger un peu, c'est attends, il a bloqué les gens qui viennent faire publicité sur ma page là, pardonnez. Je vais le bloquer vite, vite. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Voici des gens. Nous, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir ici. Hein, en train de transpirer. On nous a insultés pendant des années. Toi, tu as venu t'asseoir télé pour venir faire publicité en bas. Viens. Il était loupé d'abord. Donc, il a bloqué un deuxième. Voilà, c'est fini. Donc, aujourd'hui, le monde est bizarre. Le monde est bête. Lorsque tu vois une personne qui parle de projet afin de développer la conscience des jeunes, afin que ces jeunes-là puissent être auto-indépendants financièrement et rester stables, s'il y a trop de partages, il y a deux. S'il y a trop de partages, il y a deux. Ils n'ont qu'à dire sextape. Ils ont vu string de bravador quelque part là-bas. Cassement n'est pas pour direct. Tu vas voir au moins 35 000 personnes connectées là-bas, en train d'écouter des bêtises, des âneries, des sauvageries, des conneries qui ne vont rien apporter physiquement, moralement, financièrement dans leur vie. Rien du tout. Que dalle. Ils vont juste aller s'asseoir. Prennent leur téléphone comme quelqu'un en train de t'insulter. Quelqu'un en train de mal te parler. Ils vont juste te taguer pour que tu puisses voir. Et puis, ils vont t'insulter pour mettre dessus. Et puis, leur vie est gagnée. Bon, quand tu as fini de faire ça là, mon frère, ma soeur, j'ai une question pour toi. Quand tu as fini de faire ça là, tu as gagné combien d'argent dedans? Parce qu'on vous dit que oui, on parle que d'argent. Mais oui! Abus que tu as apporté là, ça veut quoi tu as payé tes poils? Téléphone, tu prends pour insulter les gens là. Ça veut quoi tu as payé? Tes cheveux. Connaître passe internet que tu payes là. C'est quoi tu as payé? Tes dents. On vit d'argent. On vit d'argent. C'est les pauvres qui viennent s'asseoir et qui disent oui, vanité, vanité, vanité. Mais vanité là, tu n'as pas besoin de ça. C'est pas même vanité là. Ton papa et ta mère là ont pris pour te soigner, te lever, t'habiller, te nourrir, te vêtir, te loger. C'est pas même vanité là, tes parents ont pris pour te nourrir. Vanité, 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 vanité là. C'est à cause de vanité là que ton père et ta mère se lèvent chaque matin à 6 heures comme des fous pour aller travailler, non? C'est pas à cause de vanité là. Télévision, tu regardes la télé là. C'est tes poils là, ils ont arraché pour aller payer. C'est ça? C'est tes poils là. Et on vous parle. Ils ont la vanité. Une de trois, vanité. Une de trois, vanité. Emma West fait son business. Oh, c'est vanité. Elle va mourir pour les... Oui, toi, tu n'as pas mouru aussi. Mais avant qu'elle ne meure, qui touche du bois, 100 ans de protection sur la vie d'Emma West. Mais elle va vivre. Elle va voyager, porter les Louis Vuitton, boire ses champagnes aux trans, payer ses Range Rover, payer une voiture pour son enfant.
Toi, on t'a enceinté. Un vagabond, un vanoupier t'a enceinté. Un chômeur. Voici une ribambelle encore de sauvageons qui m'énerve. Excusez-moi deux secondes. Toi, tu sors avec quelqu'un qui est au chômage. C'est quel amour de chômage, ça, en fait? Tu sois un gars, toujours, bébé, il y a un garçon qui est calé en l'air, là. Toi, ta banque, c'est en l'air. Ta banque, c'est en l'air. Tu sois un gars, toujours, bébé, il y a un garçon en l'air. Toi, ta banque, là, c'est situé en l'air. Toi-même, tu es au chômage. Tu es au chômage. La galère te persécute. Et tu vas te mettre en couple avec un gars qui est triplement au chômage. Adam, vous voulez d'amour et d'eau fraîche. Et puis, c'est pour la paix dans mon narine. C'est ça? C'est ça? Toi, tu es au chômage et tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui est au chômage. Un gars qui n'a pas d'ambition. Un gars qui n'a pas d'ambition. Un gars, you gosse. Un gars, lui, là. Toujours quand tu l'appelles, bébé, tu es où? Il est dans ma qui. Boum, boum, boum. Toujours quand tu l'appelles, là. Et c'est mes potes. Tu fais quoi? Il boit une bière. C'est ça, là, tu appelles. J'ai gars. C'est ça, là, tu appelles. J'ai gars. Un gars qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui est chez ses parents, qui vit que chez ses parents. Et toi, tu te mets en couple avec quelqu'un qui a un avenir dans le noir. Lui, son avenir, là, le diable a pris ça pour aller jouer bille. C'est l'homme comme ça, tu vas te mettre en couple. Quoi, c'est mon amour. De quel amour tu parles? De quel amour tu parles? Et c'est les mêmes vanoupiers qui viennent s'asseoir et qui disent que oui, les femmes, elles sont trop matérialistes. Elles aiment trop l'argent. Ton mot, tiens. Judas qui a trahi Jésus, là, ça cause quoi? Judas, qui a trahi Jésus, là, ça cause de quoi? Ça cause de pain. Ça cause de pain. Toi, tu vis chez tes parents. Lui aussi, il vit chez ses parents. Toi, tu n'as pas de travail. Un galérien de la galerie. Il vient s'asseoir, il est au chômage, sa vie est mélangée, il doit chez ses parents, il n'a pas de revenu mensuel, il ne sait pas comment écrire un CV. Lui, toute sa vie, là, c'est de boire. Il n'a aucun ami qui est conscient, c'est des imbéciles, des idiots, tout le temps assis dans les maquis, dans les caves, dans les lunchs, en train de boire, fumer chicha, sortir, fumer dans les narines, fouan, on dirait dragon. Et toi, la jeune fille, tu es belle. Au lieu de t'asseoir, tu vas chercher un travail honnête et décent ou bien trouver un petit commerce. Non. Tu sors avec un vanoupier comme ça et tu dis que c'est mon gars. Vous passez votre temps à vous, Karim Benzema, sans un avenir perdu. Tu sois un gars qui n'a pas d'ambition. Tu fous quoi avec lui? Tu fous quoi avec un gars qui n'a pas d'ambition? Tu fous quoi avec lui? Les gars, passez-vous, je m'en fous. Il dit la vérité. Tu sois un gars qui ne peut même pas aller payer sac de riz pour donner à tes parents. Tu sois quelqu'un. Non, mais vraiment, c'est alarmant. C'est alarmant. Tu sois un gars qui n'a même pas de travail, qui est au chômage. Tu peux sortir un gars qui lutte pour s'en sortir. C'est qu'il a un petit business, non? Et puis, il grouille toujours pour s'en sortir. Il vise toujours plus haut. Mais tu es un gars qui est couché à la maison. Couché. Quand il sort, c'est pour aller boire bière. Quand il sort, c'est pour aller jouer ballon. Maracana au quartier. Quand il finit, il prend son corps sale là. Pour aller s'asseoir avec sa transpiration, sa sueur. Pour aller s'asseoir au bistrot, au maquis. Aller boire une bière. Aller faire les débats de... Et toi, à l'argent que Drogba, jouer dame, jouer Ludo, jouer à Wallet. Quand il finit, il va rentrer, se laver, ressortir encore, aller s'asseoir dans notre coin de bière avec d'autres chômeurs. Et quand tu vas l'appeler, alors bébé, tu fais quoi? Non, c'est mes amis, hein, on boit une bière, quoi. Tu veux venir, tu me manques. Toi aussi, tu vas aller t'habiller, prends tes pattes là, tes deux pieds X, tes pieds en deux V là, toi, tu t'en vas. Mais tu es fort, toi. Tu es folle, toi. Et on parle que oui, l'amour, c'est pas l'argent. Faux. Faux usage de faux. Une femme peut t'aimer. Oui. Une femme peut t'aimer.
Mais mon frère, si tu n'as rien là, que quelqu'un d'autre vient, il a l'argent que toi, et la maison et la voiture, il a une situation financière stable, qu'il aime ta femme, toi, tu es zéro, elle va partir avec lui. Elle va partir avec lui. Tu as quoi? Tu fais quoi? Tu es là, ta vie, ça les boit bien. Attendez, hein? Les gens qui viennent faire publicité, là, il faut que je les enlève d'ici. Voilà. Ta vie, là, ton, il vient. Matin, c'est vite, il vient. Celui qui va écouter là, jusqu'au bout, reste. Ce n'est pas un cassement de papo, ce n'est pas un attachement. C'est un conseil, c'est du coaching. C'est du coaching. Ça t'intéresse, faut rester. Ça t'intéresse pas là. Faut aller sur les pages où on casse papo là, où on dénigre les gens, où on insulte les gens, et puis tu gagnes rien dedans là. Il faut partir là-bas. Moi, il finit. J'aime. Rempli pas glace. J'arrive. Donc, on reprend. On reprend. Attends. Voilà. Donc, tu es là. Tu sors avec un gars qui est au chômage. Il va t'apporter quoi même pour commencer? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche pour la paix dans nos narines. Sans l'argent, il n'y a pas d'amour. L'amour vrai existe, mais il faut l'entretenir. C'est quelle femme qui rêve pas que son mari l'envoie à Dubaï? C'est quelle femme qui rêve pas que son mari l'achète une voiture, une maison? Vous êtes malade ou quoi? Ça va pas de vous, ça va pas dans vos têtes. Quand c'est si même, il faut rester. Elle va rester dans quoi? Dans ta misère là, dans ta pauvreté là. Bon, tu n'as rien, tu n'es rien, tu es au chômage, tu es chez tes parents, tu n'as pas salaire, tu n'as pas maison, tu n'as pas travail, tu n'as pas voiture. Tes amis même, ils sont inconscients comme toi. Tes amis sont inconscients comme toi. Voici pourquoi il dit, tu veux rester dans la vie? Oui, tu marches avec qui? Et vous dites quoi? Vous parlez de quoi? Tu sors avec des amis qui ont pour passion venir s'asseoir, boire bière, jouer dame, ludo, et pour faire des débats à la con, Drogba, la fin qui est tout, et toi, la fin qui est Drogba. C'est ça là que tu appelles gars? C'est ça là que tu appelles garçon? C'est ça là? C'est ça là? Et c'est les pauvres là qui vont venir s'asseoir pour dire oui, et les femmes sont matérialistes. Oui. Ton père, là, quand il a eu ta mère, c'est à coup de gifle. Ton père, là, quand il draguait ta mère, c'est à coup de gifle. Mais c'est un concours de gifle qu'ils ont fait pour se mettre ensemble. Quand on n'a rien, quand on n'a rien dans son cul, là, on va travailler. Quand on n'a rien dans son cul, là, on ne vient pas s'asseoir pour dénigrer les gens qui sont riches. Quand on n'a rien dans son cul, on n'a même pas un compte bancaire. Compte bancaire, encore, il faut avoir papier pour faire ça. D'autres n'ont même pas pièce d'identité. Orange Money même, ils n'ont pas. Quand on n'a rien dans son cul, on ne vient pas s'asseoir pour dénigrer les gens qui ont reçu leur vie. On va travailler. On va travailler. On cherche une vie stable. Parce que les femmes aiment les hommes qui sont bosseurs. Hein? Tu sais pas, ça a été dit. Les femmes, là, peu importe la femme du monde que tu vas croiser, elles adorent les femmes, elles adorent les hommes qui ont de l'ambition, qui ont de la carrure, qui ont un travail, qui ont des visions assez folles de réussite. Oui, 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 les femmes adorent ça. Qu'elles te voient, matin, tu vas travailler, tu luttes, tu es un bosseur, tu as une vision, tu sais que tu aspires à être milliardaire, vivre une vie de luxe, mettre ta femme dans le bon. Même dans ton petit argent que tu gagnes là, quand tu lèves 10 francs pour lui donner, ce que tu as fait comme ça pour lui donner, elle est fière de toi. Motia. Et il y a des hommes aussi. Les filles, souvent, hein, je ne sais pas si drogue ou fumée là, ça vient de quel pays, je ne sais pas. Mais, toi tu sois un gars, il a un peu de moyens financiers, c'est que ça va chez lui. Mais le gars, il ne te donne même pas 5 francs pour manger un peu dans son argent. Il ne te donne même pas 5 francs. 5 francs. Tu sais qu'il a un peu, hein? Il a un peu d'argent. Il a un peu d'argent. Dans son un peu là, toi, tu ne manges même pas 5 francs dedans.
Ses frères ne te donnent pas. Donc tu penses que c'est quand il va avoir 1 milliard là, tu vas manger dedans. Toi, tu es bête comment en fait? Tu es bête comment? Tu sois un gars qui a un peu de moyens. Quand toi-même tu vois le gars, tu le regardes comme ça, c'est que ouais, ça va celui. Mais pour te donner 10 000, il va bavarder, 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 bavarder. Pour te donner 5 000 francs, tu te donnes 10 000. Il va faire chorale, chanter dans tes oreilles, matin, midi, soir. Il va s'énerver, gonfler ses narines pour te donner 5 000 francs. Donc tu penses que c'est quand il va avoir 1 milliard que tu vas manger son argent? Il faut prendre tes clics et tes claques, il faut quitter dedans. Si on demande qui a dit, c'est moi. Et quand tu quittes là, va chercher travail. Va chercher travail. Va chercher travail. Parce qu'un homme, quand il t'aime, dans le petit argent qu'il gagne là, tu dois manger un peu. Je dis bien un peu. Parce que garçon qui a un peu d'argent, et puis toi, tu ne manges pas son argent, c'est que c'est une autre fille qui mange ça. Je te dis en vérité. Ton gars actuel que tu as, soit tu vas garder des relations aujourd'hui, soit tu vas arranger. Ton bébé que tu as, d'après toi, ton doudou, ton mari, ton gars, que tu regardes, il a un travail, il a une petite voiture. Bref, même s'il n'a pas de voiture, il a un travail, il a un salaire. Dans son petit argent là, attendez 2 secondes. Dans son petit salaire qu'il gagne là, s'il n'est pas capable d'enlever ne serait-ce que 1% pour que tu puisses manger un peu, c'est que toi là, il ne t'aime pas. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui bouffe son argent. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est limpide, c'est fluide, c'est palpable, c'est caressable, c'est touchable, c'est ok. Parce que garçon, quand il t'aime, il claque. Quand il t'aime, il claque. Toi, tu as ton gars. Tu sais que le gars, il a un peu d'argent. Tu ne peux pas appeler le monsieur pour dire bébé, ben, 100 000. Et puis, il va te donner. C'est impossible. C'est inconcevable. C'est de l'impeuvabilité. Il ne peut pas te donner ça. Au contraire, il va te parler mal. Il va chanter dans tes oreilles. Et puis, tu es dans une relation comme ça, là. À cause de quoi? L'amour. L'amour ne fait pas souffrir. Quand on aime, on donne. Quand on aime une personne, quand on estime que celle-là, c'est ma femme ou c'est ma fiancée, quand on aime, on donne. Tu sois un gars qui ne peut même pas te faire dépôt Orange Money. 100 000 francs dans le mois. Pourtant, il travaille. Il a un salaire. C'est que toi, tu n'es pas sa go officielle. C'est que toi, tu s'attises. Ou bien tu es puné ses coups. C'est simple comme bonjour. Parce que le garçon, quand il t'aime là, quand il t'aime là, son petit argent qu'il a là, tu as toujours un petit pourcentage dedans qui va te donner. Donc, si dans son petit pourcentage de salaire là, si tu ne te donnes pas, c'est que toi, il ne t'aime pas, il donne ça à quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai dit ça. Les hommes, vos mots diables, fâchez-vous, je n'ai rien à foutre. Vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Vous savez très bien que c'est la vérité. Quand on aime une personne, on donne. Quand on aime, on donne. Souvent même là, elle n'a même pas besoin de te demander. Toi-même là, tu sais que tu en as. Bébé, tiens, c'est pour toi, il faut partir avec. C'est fini. Toi-même, tu sais que tu en as. Tu donnes. Elle n'a pas besoin de te demander, tu donnes. Toi-même là, quand tu allais faire un business, là, elle est rentrée là. Là, elle est rentrée là. Toi-même, tu as pris ton téléphone. Allô, bébé, tu es où? Bon, viens, il y a un petit cadeau pour toi. Tu lui donnes de toi-même, sans que même la fille même te demande. Et toi, tu es avec un gars. Un gars. Vous deux au chômage. Toi-même, tu sais que si tu as un problème, tu ne peux pas appeler le gars qui te mougou matin, midi et soir. Du lundi au lundi, du 1er janvier au 31 décembre. Tu sais que toi, tu ne peux pas l'appeler. Allô, bébé, il y a besoin de 10 000 francs. CFA. Il ne peut pas te donner. Tu sois avec un gars qui ne peut pas donner 10 000 francs. Tu cherches quoi lui-même? Tu
cherches quoi? Hé, hey, je te parle. Oh, allô, tu m'entends? Tu m'entends? Allô, oh. Allô? Allô, allô? Hé, hey, tu m'entends? Je te parle, oh. Oh, tu entends ce que je te dis là? Tu sois avec un gars qui ne peut même pas te donner 10 000 francs par mois. 10 000. Tu cherches quoi, lui? Tu sois quelqu'un qui n'est au chômage, qui n'a pas l'argent pour toi. Tu sais que le gars, il est galérien. Mais fais comme tes camarades. Fais comme tes camarades. Il y a des filles aujourd'hui qui ont pris Facebook pour faire commerce. Elles vendent tout. Elles vendent tout sur Facebook. Serviettes, lingettes, même capotes, on vend. Fais commerce en ligne sur Facebook comme les tes camarades filles. Non, tu es assis là. Tu fais mannequin pédicule. Tu veux vivre comme Emma Louis, mais toi-même là, tu es fainéant. Allô? Oh! Tu m'écoutes? Oh! Tu entends ce que je te dis? Tu veux vivre comme Emma Louis? Et tu croises tes bras. Tu sois quelqu'un qui n'a même pas d'emploi. C'est Bangala qui t'intéresse. Un gars même que tu vas appeler pour te faire juste un dépôt. Orange Money. Ou bien Web, ou bien je ne sais pas. Qui est capable de te donner la petite somme et la modique somme de 10 000 francs CFA. Il n'est pas capable de faire ça. Tu ne peux pas prendre conscience que toi-même, tu dois prendre ton destin à bras le corps, l'attraper comme ça, zouker avec lui, faire l'amour à ton destin. Si tu es bête là, que l'école t'a pas réussi, je te dis une chose, il y a des gens qui étaient premiers à l'école. Et dans la vraie vie là, ils sont zéro. Et les derniers de la classe là, aujourd'hui là, ils ont entreprise. Ils sont milliardaires. Et il y a beaucoup d'exemples. Donc il faut t'asseoir. Les filles qui font commerce sur Facebook là, ce n'est pas les plus intelligentes. Hein. Elles ont compris qu'en tant que femmes, elles ne doivent pas attendre l'argent des garçons seulement. Elles vont aller se chercher. Elles vont aller se débrouiller. Donc elles font vente en ligne sur Facebook, Instagram, TikTok. Tu les vois transpirer lutte là. Tu connais les chiffres d'affaires par mois. Elles vendent. Elles vendent. Et ces filles-là, tu les vois assignées, elles dansent, elles boivent la bière, elles font les shows, elles boivent le champagne, elles vont à Dubaï, tu les traites de prostituées. Non, 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 je suis désolé, c'est pas toutes les filles qui se vendent. I'm sorry for you. Les filles qui se mettent en groupe, elles vont assigner, elles kiffent la life, elles ont voiture, elles rentrent à Abidjan, elles font commerce en ligne là. Que tu dises que c'est des prostituées, ce ne sont pas des prostituées. C'est le commerce en ligne qu'elles font sur Facebook là. C'est ça, ça marche. Et tellement il y a bénéfice là, elles prennent ça et puis elles vont s'asseoir à Sini pour s'amuser. Toi, tu as venu t'asseoir que celle-là, c'est des prostituées. Ah bon? Quand c'est prostituée là, tu es là-bas avec elle. Quand c'est prostituée là, tu es là-bas avec elle. Attendez, les gens qui viennent faire publicité, vous les dites où? S'il attrape un, il le bloque. Quand vont ces prostituées là, tu es là-bas avec elle. Vu que toi, tu disais que c'est des prostituées. Donc, si elle veut, tu comprends bien, qu'elles vont se prostituer là. Tu vas là-bas avec elle. Hein? Tu vas avec elle? Ok. Aujourd'hui, quelqu'un a réussi sa vie. Quand lui l'a eu, c'est un braqueur. Donc, quand il braque là, tu braques à lui. Oh non, il vend drogue. Quand il vend drogue là, tu vends ça à lui. Tu es son dealer. Vous ne voyez rien. Vous ne savez rien. Vous n'êtes rien, vous serez rien. Au lieu de venir vous asseoir afin de faire quelque chose de vos vies, c'est critiquer les gens, mentir sur les gens, inventer la vie des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Tu traites Emma Louis des prostituées. Quand c'est prostituée là, tu t'en mets elle là. Tu sais où elle fait ça? Mais si tu connais où elle fait là, mais va faire avec elle aussi. Tu traites Mola de vendeur de drogue. Ah, comme tu sais que lui, il vend drogue. Et que tu sais où il vend. Mais va vendre drogue là avec lui. Tu dis que à moi,
elle est lélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est lélé, qu'elle gagne beaucoup d'argent. Mais va te lélé aussi. Tu as gagné beaucoup d'argent. Vu que toi, tu connais. Donc, si demain, moi, bravado, je paye ma Range Rover, j'ai fini ma duplex, tu as dit que quoi? Il y a un vendu mon âme au diable. Mais va vendre aussi ton âme au diable. Tu vas voir l'argent là. Vu que tu sais, vu que tu connais, va là-bas aussi, tu vas faire. Pourquoi tu viens parler sur Facebook? Pourquoi tu viens parler? Pourquoi? Si tu connais le chemin, la route, le circuit, on prend pour partir se prostituer, pour vendre drogue, pour vendre son âme, pour devenir lélé, pour devenir pédé, pour devenir, je ne sais pas, pour avoir beaucoup d'argent. Si tu connais le chemin, emprunte-le. C'est tout. Il faut prendre le chemin là, tu vas partir faire. Et puis comme ça, toi aussi, tu seras riche. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. Parce que la vie, c'est un choix. Quand tu te lèves le matin et que tu rentres chez toi, dis-moi, tu as gagné combien d'argent? Dis-moi, il faut juste me dire ça. Combien d'argent tu as gagné? 0 franc. 0. C'est que tu as perdu ton temps. C'est que tu as perdu 24 heures de ta vie à venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, à dénigrer des personnages publics, chanteurs, danseuses, peu importe. Tu es venu dénigrer des gens qui vivent mieux que toi, qui sont connus que toi, qui sont célèbres, qui ont l'argent. Que toi et toute ta famille réunis, papa, maman, toi, frère, neveu, nièce, oncle, ancêtre, ceux-mêmes qui sont dans la tombe. C'est ça ta vie? C'est ça ta vie? C'est ça ta vie? Moi, depuis matin, quand je me suis levé, je suis sorti, je suis rentré. Et puis, je me suis levé pour faire ce direct. Je suis rentré avec 1 million 500. Et pas les preuves, je viens. Le matin, et tous mes petits mouvements ont mis Facebook qu'il y a dans le pays là. Qu'est-ce que ça prendre un P? C'est pas un coup comme ça, hein? C'est pas un coup. Il a pris 1,5 million là. Ce n'est pas un coup, c'est un P. Pas si il prend là-bas, il prend ici, il prend là-bas, il prend. Quand j'ai réuni là, ça fait un bâton 5, 1,5 million. Il va bien compter ça. Ça fait 1 million. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il n'est pas pour ça là. Un coup comme ça, hein, il a pris 200 000, 300 000, 100 000, 600 000, 400 000. C'est que quand il a fini, prendre. Quand il est collé, je suis rentré, mais 1,5 million. Ma journée est gagnée. Ma journée de ce mercredi là, c'est gagné. Ma journée est gagnée. Ma journée d'aujourd'hui, là. Dieu a fait grâce. Je me suis levé, il est tourné. Il est que 16 heures, c'est ça, non? 16 heures. 16h34, je suis rentré chez moi. J'ai bu une bière. Il dit, il faut qu'il parle un peu sur Facebook. Il a allumé ma caméra, je suis venu vous expliquer la vie. Moi, ma journée d'aujourd'hui, là, c'est gagné. Je vais m'asseoir. Je vais boire ma bouteille de vin. Je vais travailler un peu. J'ai appelé ma daronne. J'ai appelé mec. J'ai appelé le. Quand il est fini, j'ouvre ma bouteille de vin. Je croise mes deux pieds sur mon divan. Je mets ma télé, Netflix. J'éteins la lumière. Je suis torse nu, petit caleçon. Je sirote mon vin. Netflix, j'ai ma série. Je m'endors. Demain, quand je me réveille, il m'a tourné encore. Il m'a prendre. Il rentre chez moi à la maison. Et puis, je dors. Sans compter qu'à la fin du mois, encore là, Facebook va donner mon Dieu quoi nous.
Ça, tu n'as pas besoin d'avoir 15 milliards de business pour avoir un peu d'argent. Il faut développer un. C'est un qui envoie deux. Deux envoie trois. Il faut prendre le temps de construire ton avenir. Champion, championne, tu es jeune. Tu es jeune. Il ne faut pas écouter les paresseux. Il ne faut pas écouter les aide-moi, à détester. Il ne faut pas écouter les gens qui sont eux-mêmes au chômage, qui n'ont pas d'avenir. Il faut suivre des gens qui luttent au quotidien pour survivre. Quand tu les vois là, tu dis, voilà, le gars là, c'est un battant. Il est un peu, viens le suivre, moi aussi, peut-être un jour, je serai comme lui, voire même le dépasser. Il ne faut pas suivre les gens qui... Quelqu'un qui n'a pas de travail, tu le suis pourquoi? Quelqu'un qui sort matin, c'est pour aller boire bien. Quand il rentre à la maison, là, il rentre que dalle dans son cul. Il n'a pas d'argent. Autant tu me dis que oui, Marcoso, c'est un voleur. Pourquoi marche lui? Marcoso, il est intelligent. Il a un système d'intelligence développé dans le business qui m'épate. Non, mais franchement, c'est énorme. Quand il regarde tonton, moi le Mola, papa a 400 millions. C'est quelle relation Mola n'a pas dans ce pays? Moi, ça m'étonne et ça m'épate. Je suis surpris. Mais à force de côtoyer ces gens-là, mais mon carnet d'adresse aussi, là, ça s'est rempli. Parce que si c'est un Makoso qui a reçu une sommité, je suis à côté, as mon petit bravado. C'est la relation qu'il a. Bon, il fait les vidéos, c'est un web comédien, en tout cas, vraiment, il est connu, il est vraiment populaire, il voyage par-ci, par-là. C'est la relation qu'il a. C'est la relation qu'il a. Emma Louès, c'est pas à cause de Facebook, il y a cause d'Emma Louès. Je la connais où? Je l'ai vu où? C'est à cause de Facebook. On a commencé à parler un peu. Jusqu'à on s'est vu, on a fait la photo, on s'est taquine. Si c'est pas Facebook là, je vais la voir où? C'est parce qu'il y a commencé une vidéo sur Facebook qui a croisé quelqu'un et c'est grâce à quelqu'un que j'ai connu quelqu'un. Si j'ai connu Emma, c'est en grande partie à cause de Facebook. Et Facebook m'a fait connaître qui? Mola. Mola cause bien Emma. Donc si c'est Mola que Emma est là, forcément, ça fait le croisement des rencontres. Ah, c'est mon petit bravado, hein. C'est un petit, il fait les vidéos, en tout cas, il est bien, il est en tout cas, c'est... C'est fini. Mon carnet, ça a grandi un peu. Vous, est-ce que vous comprenez ce que... Allô? Oh. Allô? Allô? Oh. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je marche à Makoso. Vous savez le nombre de personnes que j'ai connues grâce à Makoso? Mais vous êtes devenu bizarre. Hein? Hey, oh, Modiala, tu m'écoutes? Allô, oh, Modiala. Tu m'entends? Vous suivez des moutons pour aller brouter de l'herbe. Vous suivez des abrutis pour aller encore vous abrutir. Vous suivez des facochers qu'on va battre comme des gibiers de merde. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais si tu sais que toi, ton ami, c'est un bœuf. C'est un gros bœuf même. Un bœuf. Un modia. Toi, tu es un grouilleur. C'est quand tu t'assois à la télé, tu vois les Ronaldo, les Messi. Hein, ils ont les voitures de luxe, tu vois, les mollets vont à Paris comme ils veulent. Les MR vont à Paris comme elles veulent, ils sont en première classe. C'est les pays, voitures payées, ils veulent boire champagne, signe de contrat, ils sont dans le luxe, ils vivent sa vie. Tu vois, tu rêves. Tu es fan. Tu rêves d'une vie comme ça. Maintenant, Modiala, alors, Modiala. Tu penses que c'est parce que ça s'assit dans ses fesses pour obtenir ça? La réussite commence mentalement. Allô, oh. Les Modia là. Allô. Les Modia que vous êtes. Les Modia trapézoïdal. Les Modia là. Oh. La réussite là. C'est dans la tête. C'est pas dans le tibia. C'est. Modia là. Oh. Écoute-moi bien.
La réussite là. La première des réussites là. Attends. Je vais vous frapper un peu à l'argent. Parce que c'est là, je prends pour vous frapper. Oh! 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 Tu m'entends? Oh! Modiala! Modiala! Tu m'entends? Modiala! Voilà, maintenant m'entends. La réussite là, c'est dans la tête. C'est mentalement d'abord. Quand tu te lèves matin, tu vas travailler. Tu sais que ton travail là, ça te saoule, ça te gonfle. Mais tu as besoin de ce travail parce que dans ce travail, il y a un salaire. Donc, si tu n'es pas mouru en tant que pauvre salarié, qu'est-ce que tu dois faire? Mentalement, tu dois être fort. Mentalement, tu dois être fort. Une fois que mentalement, tu es puissant, rien ne pourra te détruire. Parce que là où ton ami voit un danger, toi, tu vois un avenir. Il faut avoir un esprit de sagacité. Un esprit fertile. C'est comme Facebook. Facebook. Au début ici, ils ont dit, il n'y a pas l'argent dans Facebook. Facebook n'est rien. Nous sommes des clowns, des pantins. On est des sauvages. On perd notre temps. Allons chercher le travail dans le bureau. Aujourd'hui, Facebook a changé la vie de millions et de millions de personnes. Tout se passe dans la tête. Que quand tu engages un combat, quand tu engages un combat, un projet de réussite là, si mentalement dans ta tête tu n'es pas prêt, à la première, je dis bien à la première seconde où tu fais face à un obstacle, si mentalement tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, du moins tu tombes. Tu tombes. Et nous-mêmes souvent là, nous, on dit on est prêt mentalement. Souvent, il y a des échecs qui nous font mal. On ne peut pas venir s'asseoir sur Facebook pour pleurer. En plein chez nous. Mais quand on finit là, on se relève toujours. C'est pour ça, attends. Hé. Hey. Oh, écoute-moi. Là, il te parle là. Tu peux écouter. Tu as compris, non? Oh, dia. Quand tu fais un projet, que ça ne marche pas, si le plan A ne marche pas, fais le plan B. Tu peux changer de plan, mais pas d'objectif. Tous les chemins mènent à Rome. Si tu es passé par une route qu'ils ont barricadée, change de plan. Tous les chemins mènent à Rome. Si le plan A ne marche pas, fais le plan B. Tu peux changer de plan autant de fois que tu veux, mais tu peux changer de plan autant de fois que tu veux, mais ne change pas d'objectif. Parce que le but principal, ce pourquoi tu te bats, tu dois atteindre ça. Voici pourquoi il dit petit Modia. 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 La réussite commence dans la tête. Une fois que tu es dans ta tête, là, tu dis ouais, moi, il pleut, il neige, je vais réussir. Tu vas réussir. Parce que mon père m'a toujours dit, c'est un franc qui devient un million. Parce qu'avant d'avoir un franc, tu vas couler des sueurs. Tu vas travailler. Parce qu'un franc va quitter au ciel pour tomber. C'est un franc qui devient un million. Mais avant d'avoir un franc, tu fais comment? Tu travailles. Le jour où tu vas travailler, fais de l'argent toi-même. Puis tu vois un million dans ta main. Et quand tu vas penser à comment tu as commencé, la galère, la moquerie, les insultes, les échecs. Et puis tu vois qu'aujourd'hui, tu as atteint ton but. Tu as un million dans ta main comme ça, chaud. Il n'y a pas plus grande fierté que ça. Hein? Oh, Dial. Oh, Dial. Oh, Dial. Tu as compris? Parce qu'il faut qu'on vous frappe à l'argent maintenant. C'est l'argent là-bas pour vous frapper. Comme ça, vous allez prendre des petits lapins. Modia, trapézoïdal, tagnéré. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, les 600 personnes connectées qui me regardent,
Moi, j'ai pas besoin d'avoir 40 millions de personnes qui me regardent. Si les 600 qui sont là ont compris mon message et que demain ils ont réussi dans leur vie, il n'y a pas plus grande fierté pour moi. Ils diront que moi, diable de bravado, là, il a dit des choses qu'on a appliquées aujourd'hui, là, ça va pour nous. Donc, quand tu te lèves le matin, ça c'est un conseil, écoute bien. Avant, il vous frappe un peu, quoi. Écoute bien. Quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves le matin et que tu dois rentrer chez toi à la maison, il faut que tu rentres avec quelque chose. Tu as compris, non? Quand tu sors de chez toi le matin, tu es un grouilleur, tu es une grouilleuse, tu veux réussir. Toi aussi, tu vas aller à Dubaï, France, Paris, t'habilles en Gucci, Louis Vuitton, rouler dans de grosses voitures, des gros bolides, aller péter les champagnes, aller à Sini, claquer les sous, parce que tu es bête, tu es chargé là. Ça commence d'abord par le travail. Le travail, répète après moi, il faut que je travaille pour réussir dans ma vie. Répète. Et que je dois arrêter de suivre les chômeurs en Russie qui ont raté leur vie de merde là. Répète. Faut répéter ça dans ta tête. Et que quand tu sors de chez toi le matin, tu es sorti pour aller grouiller. Tu es un chercheur, tu es une chercheuse, tu es un grouilleur, tu es une grouilleuse. Quand tu prends tes deux pattes pour sortir, tu dis, je vais me chercher. Champion, championne, quand tu rentres chez toi à la maison, là, il faut rentrer quelque chose. Il faut rentrer quelque chose. Rentre avec, si tu rentres avec 10 000, 20 000, 15 francs, 25 francs, 10 francs, mais retiens que tu dois rentrer avec quelque chose. Retiens que tu dois rentrer quelque chose. Retiens ça. Retiens que quand tu sors de chez toi pour aller te chercher, pour aller grouiller, champion, rentre quelque chose à la maison. Même si c'est 10 francs, rentre 10 francs là. C'est ton travail, c'est ta transpiration. C'est pour toi. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé. Tu as travaillé pour avoir ça. Donc quand tu te lèves matin et que tu finis de prier, que tu sors pour aller te chercher, rentrer quelque chose. Il ne faut jamais rentrer les postes vides, sinon c'est un échec. La journée est gâchée. Même si la journée est comment, c'est serré, c'est dur. Il faut rentrer au moins avec 10 000. Au moins 10 000. Il faut rentrer avec. Perdre 10 000 peut devenir 100 000. 100 000 peut devenir 1 million. 1 million peut devenir 10 millions. Il faut toujours rentrer avec quelque chose. Toujours. Toujours. Et quand tu fais un business, sache que des gens viendront se moquer de toi. Ils vont tout faire pour te décourager. Voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont offusquées de savoir que moi, bravado, petit bravado qui est là, le roi des immatures, ils sont offusqués et choqués de comprendre que grâce à Facebook, ils me tapent 10 millions seulement, souvent 12 millions. Par mois. Ils sont offusqués de voir que ma consommation me donne 2 millions par mois. Ils sont offusqués de me voir signer un contrat de 7 millions par mois avec un homme d'affaires. Ils sont offusqués de voir que j'ai signé les 3X, les IT. Ils ont mal. Parce qu'ils se disent comment il est fait. Les moqueries, les insultes, vous avez pris pour me donner depuis le nombre d'années là. Il a pris ça pour faire château, pour gravir les gestes. C'est pour ça aujourd'hui là. Ils sont attends, bravado, bravado que nous on voit, que nous on connaît. C'est faux. Ah. Pendant que tu dormais, tu m'insultais matin, midi, soir là. Moi, je travaillais, mon frère. J'ai travaillé. Tu penses que ma page est certifiée bleue là, c'est cadeau? Pendant que tu prenais le temps pour venir m'insulter matin, midi et soir, le nombre d'années que tu as perdu en train de m'insulter, en train de me dénigrer, en train de me vilipender là. Moi, j'ai pris ce temps pour travailler, mon frère. Aujourd'hui, tu es choqué. Quand ils font débat, bravo que nous on voit là, il ne peut pas avoir l'argent. Ah, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu as passé des années à me dénigrer, à m'insulter. Aujourd'hui, tu me vois en lui là. Il a le Dieu, il a l'ayant,
Et puis toi, tu as mal. Tu dis que c'est faux. Tu ne crois pas. Ah! C'est pour moi. Tu as dit que je suis nul. Tu as dit que je ne fais rien. Tu as dit que je ne sais pas faire comédie. Tu as dit que tu as tout dit. Tu as insulté mon papa, ma maman, mes frères, mes aïeuls, mes ancêtres, même mes parents qui sont dans la tombe. Tu as tout dit. Tu as tout fait. Tu as même pris les aide-moi à détester. Tu as tout dit. Tu as tout fait. Tu as parlé pendant des années. Mais moi, pendant ces années-là, toute la force et l'énergie que tu as concentrée à me dénigrer, à m'insulter, à me vilipender partout, à qui veut l'entendre là. Moi, bravado, j'ai pris ce temps-là pour travailler, pour bâtir un petit empire. Sur la même plateforme appelée Facebook, tu as soulevé, chargé, démonté pour venir juste me vilipender, m'insulter. J'ai pris ça pour asseoir mes business. Simple comme bonjour. Aujourd'hui, je suis sorti de chez moi. Et ça allait prendre. Quand j'ai collé, ça me fait 1,5 million. Il s'est allé prendre un peu ici. C'est que c'est pas un coup, il a pris. Hein? Il a pris les 200 000 ici, les 300 000, les 150 000, les 80 000, les 100 000. S'il est rentré chez moi, comptez mon âge, ok. Il a mis plastique dessus, il a déposé. Demain encore, il est sorti. Chaque jour, il gagne l'argent. Et c'est comme une banque, toujours, on va déposer l'argent. Toujours. À la fin du mois, il ramasse plus. Allô, ma banquière, je viens déposer. Hein? Et mais elle dépose mon âme. Plou. Il revient encore. Quand il vous parle du livre, de ce livre-là, vous dites, oh, c'est faux. Il n'y a rien dedans. Mais ce livre-là m'a servi. J'ai pris quelques petits secrets dedans que j'ai appliqués dans ma vie. Demain, quand il est sorti, il prend peut-être 100 000 dans une boutique, 100 000 ici, il a collé, sans compter que même, on ne dit pas. C'est mieux. Non, ça a créé un autre buzz encore. Là, rentre. C'est dans ça là. Facebook. C'est dans Facebook là. Ça là. J'ai pris pour créer mes business. Donc, si aujourd'hui, tu es choqué, c'est-à-dire que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il y a bravado que tu. Bravado qui n'était rien. Bravado qui n'était rien. Tu ne parlais même pas de moi. Quand il a commencé à mousser un peu, tu as commencé à t'intéresser à moi. Vu que tu vois que je mousse un peu, tu me dénigres, tu m'insultes. Tu as pris ces années, tu as perdu combien d'années lumière à me vilipender, à me critiquer, à me dénigrer. Ta vie a avancé? Ta vie a avancé? Non. Mais la vie de bravado a avancé. Ma page est certifiée. Tu payes ses cadeaux. Tu vois la publicité que j'ai fait, non? Une publicité sur ma page, c'est 150 000 francs CFA. Une, 150 000. Avec beaucoup de pardon de Yaki, 120 000 francs. Quatre publicités à 300 000. Et chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, j'ai au moins deux, trois affaires. Ça, là, on dépose ça sur Orange Money. Parce que c'est un argent que je ne veux même pas toucher pour éviter de zouker dedans. On dépose ça sur OM. C'est que si OM là, c'est B. Et qu'il y a deux Orange Money. Parce que le premier là, c'est B. Deuxième encore là, ça commence à se B encore. Peut-être qu'il n'y a pas de B, c'est B, je ne sais pas. Quand on vous parle d'extrapoler le business, mais avant d'extrapoler et de lâcher ton business, il faut avoir la base.
Si on dit Facebook ferme, moi ma vie ne chauffe pas. Dieu est mes témoins. Si on dit Facebook, on dit ferme là, moi ma vie ne chauffe pas. Parce qu'en dehors de Facebook, j'ai pris son argent pour aller investir ailleurs. Si on dit Facebook paye plus, c'est fermé, beaucoup vont pleurer. Ça me fait mal aussi. Ça me fait mal parce que j'aurais perdu mon royaume. Mais financièrement, yeah, à tes bas, ça souffre même pas. À l'aile. Oui, c'est assis sur mes deux fesses là. Ça souffre pas. Ça me fait mal parce que mon royaume a disparu. C'est mon seul pouvoir que j'ai perdu. Sinon, si c'était financièrement, à tes bas. C'était le petit conseil que j'avais pour vous en ce jour. Mais soyez tranquille, soyez posé. Hein? Dans la semaine, je vais prendre deux jours comme ça dans la semaine où je vais venir vous dire les carreaux pour vous motiver à avancer dans vos vies. Arrêtez de suivre les chômeurs, des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'avenir, des gens là à venir des hypothéqués là. Laissez-les. Laissez-les. Cherchez-vous un petit boulot. Cherchez-vous un petit boulot qui vous donne au moins un petit salaire par mois. Il n'y a rien de meilleur lorsque toi-même tu te lèves le matin, tu vas travailler. À la fin du mois, tu as ton argent. Tu es fier de toi. Parce que tu n'as pas volé ton argent là. Ton argent est honnête. Quand tu manges ta sueur là, tu es fier de toi. Quand tu manges ta sueur, tu es fier de toi. Tu dis ouais, c'est moi qui travaille, c'est mon âme. Il n'y a pas quelqu'un qui a te manquer de respect. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Les gens qui disent l'argent, c'est vanité, vanité. Oui. Mais quand tu n'en as pas là, ah, tu n'es rien. Quand tu n'en as pas, tu es rien. C'est l'argent qui fait. Même pour ça, attends. Si l'argent, c'est vanité, quand tu es malade là-haut, c'est quoi en tes soins? Feuille de tarot. Même feuille de manioc. Le groupe de vanité là. Quand on est malade là, quand tu vas à l'hôpital là, l'argent on prend pour payer les médicaments, là, c'est feuille de quoi? Manioc. Papaye. Manioqué. Mais c'est feuille de goyave. Maudit. Et merde, j'ai oublié mon rendez-vous là. Putain. Oh là, j'avais complètement oublié ça, putain. Là. Bon, je vais vous laisser. On vient de me rappeler un rendez-vous là. Merde. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il aide la Côte d'Ivoire à se développer afin que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent prendre conscience. Mon jeune frère Poudjou, j'ai vu ce que tu allais dire ici, moi, dans l'émission. Mais il fait comment? Tu es mon frère où? J'ai cherché frère, j'ai eu. Donc, on est dedans. On s'aime comme ça. Je t'aime comme ça, mon frère. T'as compris? Ton moudia. Allez, portez-vous bien. Ciao, c'était pas madame.